Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 10e épisode de No One Survive en coop avec Capo et aujourd'hui c'est jour de horde. Allez, c'est parti. Je bois une bouteille de pif. J'ai remis deux clopes là, si tu veux. Je range. Ah, il faut que j'arrête d'appuyer sur contrôle. C'est Icarus qui a besoin d'appuyer sur contrôle. Oui. Changer d'inventaire. Bon, on va peut-être pas avoir le temps d'aller looter du coup. Ah! Non, ça repart de zéro quand... Ah non, c'est bon, ça va pas repartir de zéro. Pour faire un lingot, ça repart de zéro quand t'avais plus de fuel. Ah, je sais pas. C'est bien possible. Dès qu'il est en 13h50, je vais descendre un petit peu au village, mais j'essaie de choper une pièce 5 ou 2. Vas-y, vas-y. Ah, c'est bon, je suis monté ingénierie niveau 1. Nickel. Bon, on va se monter tout ça petit à petit, là, ça va le faire. On est pour les pièces. Je vais reprendre une petite clope, c'est bon. J'ai des trucs que j'aurais dû poser là que j'ai sur moi. Comme les balles, les carparts. Je me suis fait 9 flèche en pierre, je vais en refaire encore un peu, je pense. Je veux ce lingot d'alu pour débloquer la cantine, voir ce qu'elle demande. 4 lingots de... Je crois que c'est 4 lingots d'alu la fabrication. Ouais. Je vais voir ça. Technologie. Ah, Mechanical 3. Ok. Rien, les gars, là, je vous ai rien demandé. Mechanical 3, la cantine, c'est pas pour tout de suite. Oh, ils sont tous derrière moi, au secours. Non, ça m'en fait 15. Très bien. Oh, oh, je vais mourir, moi. Déjà ? Ah, bah, j'ai plus de stam. C'est chaud. Mal barré. Très très mal barré. Ah mais ils sont hard, hein. Il y en a trop qui courent en fait. Mais c'est plus fun. Mais oui, c'est comme ça que c'est drôle, Capo. Ah ouais, c'est drôle. C'est drôlement violent. Alors c'est bizarre parce que c'est plus mon personnage que moi qui se fend la gueule.
Non, ton personnage se fait fendre la gueule par les crocs des zombies. C'est ça. Ouais, je suis quasiment mort. Ouais, non, mais il n'y a plus qu'à. Question. La question va venir. Où est-ce qu'on avait rangé les balles qu'on avait en plus? Peut-être dans l'atelier. Justement, j'ai pas vu. Bon, ben, l'atelier ou deux coffres, donc c'est pas. T'as pas beaucoup de place pour chercher. Ouais. Je sais. Ah bah oui, là. Moi, j'ai deux stacks de 30 de balles sur moi. Ah, moi, je garde un seul stack. J'ai rangé l'autre. J'ai une petite bouteille d'eau là, dis donc, j'avais pas vu. J'ai des balles là. Je continue de monter la métallurgie au passage. Il est 15h57. Il est 16h. Allez, métallurgie. Allez, métallurgie, je suis 3, ça y est. Ouais, bien ça. Ah bah oui, je voulais ranger. J'ai de l'essence sur moi. Je peux mettre ça dans la bagnole. Voilà. Il y avait un arc dans la bagnole, c'était le tien, je pense. Ouais. Tu penses pas en avoir besoin? Je me suis pris deux lances, en fait. Je me balade avec deux lances. Ouais, pour la horde. Pour l'instant, ouais. Je dis ça surtout pour la horde. Ah bah voilà, j'ai rempli le stockage de pierre. Je suis content. Et je peux faire encore 8 flèches avec ce que j'ai. Et j'en ai un paquet. Ils ont bien retraduit la viande séchée. C'était marrant, la traduction qu'ils avaient fait, c'était jerky. Oui. Comme ça veut dire, enfin, comme la. Ah, enfin, c'est non, en la traduction, c'était traduit, saccadé. Quoi. La traduction de jerky, c'était saccadé. Ah, d'accord. Donc, tu mangeais de la saccadée. Voilà. Et tu sortais la saccadée de ton sac à dos? Ah, ouais, non, il fallait danser le jerk pour pouvoir manger, en fait. Faisais pas une petite danse avant de manger, tu peux ou pas. Ce sont des coutumes, ma foi, fort surprenantes, dirais-je. Yes. Il va falloir qu'on aille vers les armes aussi après. Ouais, les petites armes en fer. Hein. On va pas mal en looter, tu vas voir aussi. Oui. Bon, je augmente ma mécanique avec quelques flèches en plus. Ah bah voilà. Ah bah voilà.
Ce qui devait arriver arriva. Ouais. Ce qui devait arriver arriva. Il est 17h30, hein. Il y a trop de monde dans ce village. Ouais, non, mais je vais juste rechercher mon truc. Je suis pas loin. Parce que moi, à 19h30, à 19h40, allez, je suis sympa, je te laisse 10 minutes de plus. Je fais les derniers pieux. Chercher du coup. Oui, t'es en train de descendre. T'es déjà en bas même. Ouais. Je suis reparti direct. Enfin, t'es à côté du. Je te vois à côté du. La cimenterie. C'est ça. Je me refaisais une petite lance parce qu'il y a ceux qui m'ont tué qui sont à côté de mon sac. Quasiment. Il est dans le village ton sac ou il est à l'entrée du village? Il est là, juste en dessous, je suis juste à côté. Ah, d'accord, ok. C'est bon, je l'ai. Un truc qui est très sympa à looter aussi, c'est l'aéroport qui est au-dessus. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses. Ah oui, l'aéroport, ouais. Ah bah, il y a des... Ouais. Mais il y a aussi des zombies rampants, c'est chiant. Ah oui. Et on t'as un peu d'essence, ouais, t'as pas mal de trucs mécaniques et tout ça, quoi. Il y a les crawlers, là, ils sont pénibles. C'est très dur, surtout avec les stats que t'as mis pour le serveur, ça va être encore plus dur. Mais c'est ça qui est drôle. Ah, ça arrive. Vite. What? Mais c'est pas l'heure. Bah ils sont à l'heure. Aïe, ils sont derrière moi, laisse-moi passer, vite. C'est bon, vas-y, construis. Ok. Ok. On a pas le temps de le faire. Mais c'est quoi ce délire? On n'a pas le temps de les construire. Et ils sont costauds. J'en ai construit un seul. Ah, ils sont arrivés à quelle heure? Je sais pas, il est 19h30. Oh, les salauds, ils sont arrivés tôt. Ils sont encore là? Non, ils sont partis. Je sais pas. Ah, ils ont des spawns. Oh, bah putain. Ah, on en a eu quelques-uns. Il faut refaire un marteau pour détruire qu'on puisse passer maintenant. Tu vas te tuer là, fais gaffe. T'as un marteau déjà sur toi? Non, mais je regardais si. Attends. Voilà. J'ai récupéré ton stuff. Première horde catastrophique. J'ai récupéré ton stuff, je pense. Ouais, bah t'as un marteau dedans pour laisser le passage. Catastrophique. Hein. Je sais pas si c'est ton stuff ou mon stuff. Ah non, c'est mon stuff que j'ai récupéré. Pourquoi j'ai pas récupéré mon arc? Il est où mon arc? Il est doué dans ton sac. Dans ton sac. Non, il n'y a pas la place dans mon sac. Il y a une lance. Je vois pas mon arc. Il est au sol, ton arc. Je le vois? Attends, bah je le ramasse. Attends, je vais voir si je peux le ramasser. Attends. Ah, tu le vois dans les... Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Tu l'as, c'est bon? Ouais. Dans les Nervis, ok. Ouais.
Bon, désolé pour le public. C'était là. La horde pitoyable. Désolé, c'est arrivé plus tôt que prévu. Et puis, t'as vu comment ils passent à travers? Ils sont trop costauds, en fait, ça les anime à peine. Ça va être chaud. Hein. Bon, en attendant, on va stocker les planches. Bah, 7 jours pour mieux se préparer. Ouais, ou 7 jours pour savoir qu'on va mourir. Tu peux faire un stockage à planches. À côté de l'atelier. Non, pas les planches, je voulais dire les... Ah, les bûches, tu fais un stockage à... Bah oui, les bûches, il faut les récupérer. Celles qui sont là-bas. Voilà. On a été, mais d'une... Une inefficacité... Voilà, c'est ça. À l'arrière, on peut même les démonter, voilà, qui ne servent à rien, si on risque de se piquer dessus pour rien. Oh, bah laisse-les. Non, tu veux vraiment les démonter? C'est pas bon pour nous, ça, tu sais, juste à l'entrée, comme ça, au moins les trois premières qui dépassaient un peu, là. Voilà. J'ai pas de place, là, je suis déjà plein de doigts. Mais... Alors, pour ceux qui attendaient la horde et voir un beau combat, bah, désolé. Hein. Bah, vous avez eu la horde, mais pas le beau combat. Mince. J'ai fait un de matériaux. C'est laid ce qu'on a fait, c'est laid. C'est pas laid, c'était particulier. Il reste un quoi? Il reste un bois que j'ai pas pu ramasser. D'accord. Mais c'est plein pour les bûches. Plein. On va se faire un... Ouais, on va se faire un petit stockage à blanche ici. En 6. À côté là. Attends, je vais le mettre. Meuble, c'est lequel? Étagère pour bois, à bâton. C'est le cadre logique, je crois. C'est pas sûr que t'as fait là. Ah non, c'est peut-être pour les, c'est peut-être pour le bois, ça. Non, j'avais. Si, je sais plus. Ouais, c'est fait les étagères. J'avais fait les bâtons, j'avais fait les bûches, mais peut-être pas les planches. Du coup, tu l'as fait? Ouais, il manque 10 bâtons. Tu les as à côté, normalement. Voilà. Tu l'as fait où? Donc là, tu peux mettre tes plans juste à côté de l'atelier. Voilà. Voilà. Bon, bah du coup, on va bientôt passer la nuit, du coup, et puis... Bah là, on n'a pas sommeil, hein. Du coup. Ah bah oui, on est mort, c'est vrai. Ouais. On est mort. Ouais. Bah, je reviens dans 2 petites minutes, le temps que tu finisses ton petit rangement, et puis... Moi, je me mets à faire des planches en attendant. Ah, il faut faire de la place, là, dedans, parce que je peux mettre de bois. Hein. Je dégage. Voilà. Et je lance j'ai de la nourriture périmée qui pop dans mon inventaire alors que j'ai... Ah bah je l'ai récupéré sur les... A tout de suite. Voilà. Voilà.
mécanique, je suis combien? Je suis toujours volume 1. Je peux pas prendre le 3. On s'est fait avoir totalement pour l'ordre. En plus, j'essayais de prendre mon flingue, j'y arrivais pas. Pris de panique, ça ne marchait pas. Yep, métallurgie au moins ça monte. Et puis du coup il prend ça. Les blocs. Ça on peut le laisser là. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Il faut mécanique 2, mécanique 3. Ok, il y a besoin de mécanique 2 pour débloquer le toolbox. Ensuite, mécanique 1 pour débloquer les fils électriques. Puis, engineering 2, électrification. Te revois loup. Oui. On n'avait pas récupéré Engineering 2. C'est dommage. Métallurgie 4, ça m'intéresse moyen. Alors, simple part, c'est... Waouh, un lingot d'alu, un lingot de fer, un lingot de cuivre. Oui, ça pique. Ah, et les lockpicks. Je peux faire les lockpicks. Un lingot de fer, tu peux les faire aussi? Je sais pas. Je regarde. Ouais, je peux les faire, ouais. On va se promener ou pas? Ouais, je vais juste lancer quelques planches. Tu veux bien? Bah ouais. Est-ce qu'on pourrait aller... Voir de monter un tout petit peu mon truc aussi. Est-ce que j'ai besoin de manger? Non, parce que je suis mort. On pourrait se faire le village où il y a le commissariat à côté. Et retenter le commissariat. Souviens-toi, il a piqué le commissariat. Ah, il a piqué. C'était zombie qui pique aussi. Ah bah oui. Sont survitaminés, tes zombies. Ils sont boostés. Le kit de réparation véhicule, tu l'as mis où? Dans le coffre? Dans le coffre, ouais. Comme ça, il y a juste besoin de se pluguer sur le coffre s'il y a besoin. Ok. J'ai des flèches et des cailloux. La 556, je vais la ranger. Ça va faire de la place dans le coffre. Ah non, blé. C'est ça que je voulais faire. Elle prend 4 d'eau. Ouf. Mécanique, je suis presque 2. Engineering, je suis 1. Attends, quand on fait des planches, c'est de l'engineering? C'est ça? Des planches, non, c'est mécanique, les planches. Engineering, c'est la construction de bâtiments. Ah non, je l'ai eu avec les bouquins, c'est pour ça. Bah écoute. 5 heures du mat.
pense que c'est le moment approprié pour retourner looter le village. Des pièces simples, des pièces simples. C'est pas compliqué, on veut des pièces simples. Tu suis cette route-là pour l'instant, jusqu'au bout. Ouais. Tu vas passer devant l'ours. Je passe par l'ours et l'aéroport. Tu passes par l'ours. Et après l'ours. Non, après l'ours, tu tournes à gauche. Bah, c'est pas là qu'on allait d'habitude. Ah, à droite. Après l'ours, tu tournes à droite plutôt. Oui, donc je passe et par l'aéroport. On va arriver au village, mais à l'opposé du Comico, comme ça, on va looter le village. T'es sûr qu'on arrive à l'opposé du commissariat? Ouais. Si tu prends à droite, là, ouais. Ben, tu prends à droite et au bout de la route, tu prends à gauche et on arrivera au bout du village. D'accord. Oula, je roule vite. Petit drift. Ouais, à 40 à l'heure. J'ai vu un truc dans le champ à gauche, je me demandais ce que c'était, c'est juste là. Il y a peut-être ce gros bâtiment là, je sais pas du tout ce que c'est ce gros bâtiment, je l'ai jamais looté. Ça ressemble à un motel. C'était de l'autre côté hein, pour le village, mais et on peut très bien aller faire le motel à la rigueur si tu veux. Tu voulais faire le village. Attends, il y a un rampant. Arrête surtout pas. J'ai pas vu un rampant. Ah si si, moi je l'ai vu. Là on va arriver au village là. J'ai toujours des petites prises quand je conduis. Ah oui, il y a des mini prises. Là vas-y, arrête-toi là maintenant. Alors qu'il y a tous les zombies du village qui soient attirés. Voilà. Comment on change de flèche? On a-tu la moindre idée? Non, je ne sais pas ça. Du monde. Hein. Mmh. Là, il y a un petit motel, et puis à gauche, il y a les maisons. À droite, c'est le motel. Ouais, j'ai vu ça. Bon, on va aller. Ouais, peut-être qu'il y a les maisons. C'est déjà en train de casser les portes, là. Oh, ils vont vers la bagnole. Capot, ils sont en train de péter la bagnole. Oh merde. C'est bon, je les ai rien gros. Attends derrière toi. J'ai plus de stam. Rends-moi mes flèches. Elle en est où la voiture du coup? Elle n'a plus qu'à 38 la voiture. Je mets le kit direct. Saloperie. Mais attends, faut se faire ceux qui sont... Ah, mais c'est ceux qui ont été attirés par le bruit de la voiture, ça, qui sont arrivés dessus. Les autres, normalement, ils devraient pas attaquer la voiture. Normalement. Direct.
Oh, il tape d'abord dans mes flèches en pierre avant de t'appeler dans les... Alors il faut que j'en fasse une aussi. Plaque. La mienne elle est bien encore, mais combien de temps? Ah, sort de l'inventaire. Je fais la cuisine en premier. Yeah, rien du tout. Les placards. Rien. Un peu de flotte et du café. Faut qu'on pense à systématiquement vider les placards pour que ça puisse... Genre le café qu'on veut pas, on le jette par terre plutôt que de le laisser. Il est allergique volume 2. C'est pour toi, soit. Moi, je suis déjà 3. Pièces simples. Ah bien. Un magazine. Ah, un coffre-fort. J'essaye avec mon. J'en ai qu'un kit. Ah, cassé. Trop tard. J'ai pas la pioche. Hein. Bon, bah tant pis. Est-ce que mon arc il apparaît sur un truc bleuté? Ah, parce que je l'ai en main. Le reste à fait. Ouais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!